difficile à situer parce qu'ils sont très conquérants de devant. On avait eu du mal au match aller. On a mis pas mal de le focus cette semaine sur nous devant parce qu'on sait que sur le secteur de la mêlée, on avait un peu failli à notre tâche. On avait été beaucoup pénalisé à de nombreuses reprises. Et donc, on va avoir à cœur de se racheter un peu de ce côté-là parce que c'est pas normal la prestation qu'on avait eue là-bas. Donc, on est très méfiant et on les attend avec beaucoup de sérieux parce qu'on sait que c'est une équipe redoutable. On peut tous gagner du temps de jeu, c'est sûr qu'il y a pas mal d'internationaux. Il y en a de moins en moins en ce moment avec certains qui ont connu des blessures. Mais on essaye de ne pas se mettre de pression et au contraire de se resserrer tous ensemble. Enfin, c'est ce que les cadres essayent de nous inculquer, comme Joe, Max, Jérôme et compagnie. Donc on les écoute et on essaye de se mettre au diapason de ces mecs-là. Je pense qu'on a la chance d'évoluer dans un cadre et avec des mecs qui sont intelligents, donc ça se passe super bien, que ce soit avec Peato, Jus et même Guillaume Cramon. On s'entend très bien et la concurrence est saine, donc c'est bénéfique pour tous les quatre et ça nous permet de s'attirer vers le haut plutôt, je pense. Déjà, quand ils sont là, ça me change la préparation parce que des fois je joue pas, donc forcément. Après, c'est sûr que c'est des joueurs et des mecs qui sont rassurants pour toute l'équipe, donc c'est sûr que quand ils sont là, ça fait du bien à tout le monde. Après, quand ils sont pas là, on essaye de prendre la place et d'assurer au maximum. C'est ça qui est intéressant parce que d'un côté, on peut penser que c'est un peu ingrat d'être numéro 3 et un peu dans l'ombre de deux internationaux, mais dans des périodes comme ça. Je sais que je vais avoir là un peu plus d'importance et qu'avec Guillaume Cramon, on va pouvoir s'exprimer tous les deux et jouer les matchs ensemble. Donc on est content, on prend ça avec beaucoup d'envie et on essaye d'assurer au maximum le travail que les autres peuvent faire durant les périodes normales. C'est du travail, après pour l'instant, enfin, le chemin il est encore long. C'est sûr que c'est agréable de prendre de plus en plus de place et au fur et à mesure du temps d'avoir de plus en plus de matchs et de temps de jeu avec toute cette période qu'on connaît. Donc là, c'est sûr qu'avec la période internationale, c'est encore plus bénéfique pour moi vu que Jus et Peato ont la chance de côtoyer l'équipe de France. Donc je suis content de pouvoir évoluer avec l'équipe dans ce sens-là et continuer à travailler pour pourquoi pas continuer à gagner de l'expérience et tout ce qui va avec. Quoi qu'il arrive, on se parle tous les jours, donc ça change pas beaucoup. Après, c'est sûr que c'est toujours cool d'être au téléphone avec Jus et de pouvoir échanger, même avant les matchs ou surtout pour parler d'autres choses, parce que bon, il n'y a pas que ça non plus, mais il a toujours un regard et moi aussi, donc non, c'est agréable de se parler. Ouais. Oui, j'espère qu'il va le regarder. Moi aussi, je vais le regarder le sien. Donc, oui, normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est sûr, c'est des matchs qui attirent tout le monde. C'est, entre guillemets, je pense, les plus beaux matchs à jouer. Et là où il y a le plus d'enjeux et de pression. Mais après, il faut prendre les choses petit à petit, au fur et à mesure. Donc, ça, pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour. Et pour l'instant, je suis très, très content de ce qui se passe. Donc, voilà.